Salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, la voici, la voilà, elle est encore dans son carton, la PS5. J'ai trop hâte. Donc c'était mon cadeau d'anniversaire mais du coup en retard. On a reçu le petit SMS hier pour la récupérer. Donc voilà, elle est là. J'ai qu'une seule envie là, c'est de l'ouvrir pour voir comment c'est à l'intérieur. Donc ce que je vous propose c'est qu'on l'ouvre immédiatement. J'ai préparé la petite paire de ciseaux. Étape 1, sortir le carton du carton. Ça, c'est déjà pas facile. Voyons voir. Déjà, il y a le câble d'alimentation, le truc de base. Hein. Donc, c'est la même alim que la PS4, a priori. Ça ressemble à la même alim. Donc, ça, c'est plutôt cool. La manette de la PS5. On va voir ça. Elle est très, très, très lourde comparée à une manette de PS4, je trouve. Putain, elle est belle, hein. Elle est vraiment, vraiment, vraiment jolie. Hein. La prise en main, elle est plutôt cool. Ouais, la prise en main est plutôt cool, franchement. Le côté... Ouais, c'est très ergonomique. Franchement, c'est très, très ergonomique. Il y a des petites grippes. Alors, je ferai un petit zoom dessus pour que vous voyez. Il y a des tout petites grippes au niveau des poignets pour justement avoir une bonne prise en main. Et franchement, ouais, elle est très, 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 très jolie. Avec le pad au milieu, le petit P de PlayStation en relief, là, qui remplace le bouton de base. Non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais vous montrer la différence avec une manette de PS4. Et donc, voici la manette de PS4 à côté. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Elle est beaucoup plus lourde, vraiment beaucoup plus lourde. Et celle de la PS4 paraît vraiment légère à côté, limite un petit peu même cheap, je dirais, comparé à celle de la PlayStation 5. Oh, franchement, la prise en main est vraiment mieux que celle de la PS4. Hein. Donc, que dire de plus, il y a un bouton, il y a une prise de jack sous la manette pour pouvoir brancher un micro et un casque du coup. On se recharge en USB-C maintenant, donc il y a la petite prise USB-C. Je pense que dans le pack il y a le câble pour la recharger, mais en tout cas ouais, vraiment la prise en main elle est vraiment sympa. J'aime vraiment beaucoup, je suis assez surpris pour être franc. Donc après, tout ce qui est technologie, ça sert à rien, je vous le répète, mais je pense que si vous regardez la vidéo, vous avez un petit peu suivi l'actu PlayStation 5, mais il y a le DualSense, ils appellent ça comme ça, où par exemple, plus on va appuyer sur la touche R2, par exemple, pour tirer à l'arc, et plus le bouton va être difficile et il va y avoir comme une sorte de retenue. Donc j'ai hâte de tester ça en jeu. Et puis je pense que je vous donnerai mon avis... En commentaire ou dans la description, je verrai ça. En tout cas, très 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 jolie manette. Bon, ensuite, on va passer à la console directement. Hein. Donc, on retire le carton. Dans le carton, je vois qu'il y a encore des trucs. Le câble HDMI. Bon, j'en ai déjà un qui est branché, qui gère la 4K, donc je l'utiliserai pas, je pense. Mais en tout cas, c'est cool qu'il y ait un câble. Le câble USB et USB type C pour recharger la manette. Donc, très très bien. C'est le dock pour poser la PlayStation debout. Alors je sais pas encore si je vais la coucher, si je vais la mettre debout, ça va dépendre un petit peu de la place que j'aurai dans mon meuble. Et là, la console. Elle a l'air vachement lourde, c'est un truc de fou. Mesdames et messieurs, voici la PS5. Donc nous avons un USB qui est devant, ainsi qu'un USB-C pour brancher la manette. Nous avons au cul de la console deux USB 3, un câble HDMI, une prise Ethernet et donc la prise secteur. Elle est juste splendide, c'est un truc de fou. J'adore, je suis fan. Franchement, je suis fan. Elle est oufissime.
Par contre, qu'est-ce qu'elle est grande? Qu'est-ce qu'elle est grande comparée à la PS4? C'est un truc de dingue. Elle est vraiment très 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 grande. Pareil, je vais vous mettre la PS4 à côté pour vous rendre un petit peu compte du truc. Voilà, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. En tout cas, moi j'ai hâte de la vraiment de la brancher, là, de la tester. J'ai qu'une envie, c'est d'arrêter la vidéo pour la brancher, la tester là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo bien entendu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Presque les 1000 abonnés là, donc on en est à 984 à l'heure où je vous parle. Donc si on pouvait essayer d'atteindre les 1000 avant la fin de l'année, ce serait juste super. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas. Et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et pourquoi pas un petit live sur la PS5. Allez, tchuss.